Professeur Kasereye. Professeur Fakoneye. Professeur Fakoneye. L'unité de la nation guinéenne. Messieurs, mesdames, les membres du bureau exécutif, du grand parti. Nous avons décidé volontairement, conscient des enjeux du pays, conscient de tous les efforts que le professeur Alpha Condé est en train de déployer pour faire de la Guinée le pays émergent dans le concert de la solution. Nous avons décidé, mes collègues ici présents et moi, d'accompagner son action, puisque c'est un homme prêché, il conduit la locomotive Guinée vers le progrès. Nous joignons nos roues à cette locomotive pour accélérer le cours de l'histoire de la Guinée. C'est une approche volontariste qui n'a rien de circonstanciel. Merci. Je dois vous livrer. Je le disais devant un témoin il y a quelques jours. C'est vrai, je veux le pouvoir pour la Guinée dans ce pays. Mais si je veux le pouvoir pour le bonheur du peuple guinéen, je renonce au pouvoir pour laisser le professeur Alpha Condé conduire. C'est par conviction. L'énergie qu'il a, je ne l'ai pas. Le sacrifice de nom de soi qu'il a, je ne l'ai pas. Ce n'est pas un langage diplomatique. C'est une réalité. Les Guinéens comprendront. Vous savez, c'est l'histoire est têtue. Quelle que soit l'habilité des hommes pour casser la réalité, l'histoire, avec le recul, retient les faits. Dois-je rappeler que pour cette notre histoire, malgré tout ce qu'on a dit de Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, la Guinée retiendra, l'Afrique retiendra, le monde retiendra qu'il aura été celui qui a embrassé la volonté de tout un peuple, de tout un continent, pour réussir la souveraineté de la Guinée et aider les autres pays du continent à accéder à la souveraineté pleine. Bravo. L'histoire retiendra, malgré tout ce qu'on dit, du général Alpha Condé, l'histoire retiendra qu'il aura été pour la Guinée l'homme de la démocratie et des libertés démocratiques. L'histoire retiendra. Et nous ne voulons pas, nous signataires de l'accord d'aujourd'hui, être absents dans cette partition de l'histoire de la Guinée, aux côtés du professeur Alpha Condé. L'histoire retiendra que le professeur Alpha Condé aura été le bâtisseur d'une économie guinéenne forte. Je l'appelle le champion de l'émergence économique de la Guinée. Avec fierté et beaucoup d'enthousiasme que nous-mêmes, nos présidents, nos structures, nos militants venons accompagner le professeur Alpha Condé et élargir
la grande famille du RPJ. Je voudrais souligner ce que le ministre Tidiane a dit tantôt pour rassurer ceux de nos membres dans les différentes structures, ceux de nos militants, que le président Alpha Condé est ouvert. Il n'y a pas de distinction entre militants d'origine et militants d'aujourd'hui. Il veut construire une Guinée unie. Nous sommes, à partir d'aujourd'hui, des membres à pleine responsabilité, responsabilité entière avec ceux des anciens que nous trouvons. Et bien, cela dit, nous serons à votre école. Nous restons à votre école, mais nos militants restent les militants bien pris. Les responsables restent les responsables du RPJ. Qu'on n'ait pas de confesse pour dire, ah non, je viens du GPT, prenez votre chapeau, dites aux uns aux autres, nous sommes fiers de porter le fanion du RPJ et nous sommes RPJ. Merci. Bravo. Avec votre permission, je vais dire un, deux mots à mes parents sous-sous.